J'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo Chine. Ça faisait longtemps quand même, je trouve que... J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé face caméra comme ça, posée dans ma pièce et tout. J'ai reçu un colis de Chine et j'ai passé une commande, mais je n'ai pas encore reçu ma commande. J'ai utilisé évidemment dans ma propre commande mon propre code promo de moins 15% puisqu'en ce moment il n'y avait pas de code. Parfois il y a des codes un peu plus élevés, mais quand il n'y a pas de code de plus de moins 15%, j'utilise le mien, c'est Karine Miss Boop. Je vous le remets ici si ça vous intéresse. J'ai donc acheté moi par moi-même deux robes pour ma fille et une tenue pour un mariage aussi pour mon fils. On verra ce que ça donne. Je sais pas si je l'aurai reçu, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, dans un vlog. N'hésitez pas à me suivre et à liker cette vidéo et à vous abonner d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de contenu. Si vous voulez voir un petit peu du coup ce que je vais recevoir dans un vlog, bah, je vous montrerai ça parce que je ferai pas une autre vidéo. Moi ma commande elle est un peu plus petite, du coup il y aura moins de choses à découvrir, mais il y aura des tenues pour un mariage. Et dans ce colis là j'ai reçu aussi des choses pour un mariage. J'ai commandé pour mes enfants, donc j'ai commandé pour moi, pour mes enfants, j'ai commandé pas mal de chaussures et quelques accessoires. Je vais d'ailleurs commencer par les accessoires. J'ai vu, alors je sais pas si vous, vos enfants aussi sont comme moi, mais ma fille utilise une quantité de chouchous et elle les perd tout le temps. Je sais pas ce qu'elle en fait, mais en tout cas ils disparaissent. Et j'aime bien changer de couleur pour elle, lui mettre un peu des chouchous différents. Donc j'ai acheté, enfin j'ai pris ce lot de, je crois c'est 50 chouchous, donc c'est un gros lot comme ça. C'était 7,75€ ce gros lot de dingue avec 500 chouchous. Et j'ai pris aussi en plus un plus petit lot de chouchous encore une fois, mais vous savez des chouchous un peu plus en, comment on va appeler ça, en matière pilou-pilou, vous savez. Je voulais les utiliser pour mettre sur mes bras quand je me lave le visage, je trouve que c'est assez pratique. C'était 2,75€ le lot, là il doit y en avoir une petite dizaine. Il y a toutes les couleurs à chaque fois dedans, c'est vraiment un mélange de couleurs. Mes enfants sont trop contents, ils ont fait que de me les piquer. Bon, je vais pouvoir les mettre à disposition maintenant, mais honnêtement, pour un peu moins de 10€, j'ai, je sais pas, 60 chouchous, au moins, j'en ai pour tous les goûts. Alors après, ceux-là ils sont version un peu satin, écoutez, ils sont pas trop mal. Alors, ne vous attendez pas à faire 50 tours autour de votre chignon, tout ça, hein, mais pour la touche finale décorative d'un chignon, c'est très sympa, donc ça fera l'affaire. Donc voilà pour mes premiers accessoires. On va commencer par les choses que j'ai prises pour moi et puis ensuite on finira par tout ce qui est pour mes enfants. J'ai pris des petites chaussures d'été. Alors oui, vous avez vu dans mon dernier vlog dans le sud où j'en ai acheté, mais j'avais pas encore reçu cette commande à ce moment-là. Donc oui, j'avais choisi sur le site Chine des petites chaussures comme ça pour l'été. Honnêtement, ça dépend. Ça dépend. Parfois c'est trop bien, parfois c'est pas terrible. Là, elles étaient celles-ci. Hein. Je vais vous les montrer, je vais vous dire à chaque fois les prix. Elles étaient sur le site à 13,25€. Elles sont plutôt sympas au niveau de la qualité comme ça. Donc j'ai pris en taille 41 histoire d'être bien dedans. J'aime bien le style comme ça, vraiment, je les trouve très sympas. Elles sont réglables au niveau de la petite languette ici. Ça fait un peu faux cuir brillant. Honnêtement, elles sont très légères d'ailleurs. La semelle est assez épaisse. Elle a l'air plutôt pas mal. La semelle, elle va pas se décoller en 2-2. Donc écoutez, comme ça, elles me paraissent vraiment canon. Je pense que pour les beaux jours, elles vont être pas mal. Et j'espère juste qu'elles sont confortables. Pour moi, en 2XL, je me suis pris ça. Alors, je me rappelle plus. On va en voir ensemble parce que des fois, je me rappelle plus ce que je prends. Ah oui, je pense que c'est une jolie robe. Oui, j'avais sélectionné quelques petites robes comme ça, un peu d'été, pour mettre pendant les beaux jours, pendant... Ouais. Donc hop, oh, bravo Karine, tu commences déjà à la manger ta robe. Donc elle est assez simple, elle ressemble à ça en fait. Je vous montre comme ça la photo, elle est à 15,49€. Honnêtement c'est pas une matière hyper, vous savez ça fait un peu fausse matière, un peu polyester. Mais elle a l'air assez loose. Et vous pouvez après évidemment la ceinturer si vous voulez quelque chose de plus classe, ou la laisser comme ça assez large si vous voulez quelque chose de plus loose. Elle a l'air pas mal au niveau de la taille. Il y a une petite goutte derrière, vous savez, au niveau du dos. Si vous attachez vos cheveux, ça fera une petite goutte comme ça. C'est plutôt sympa. J'aime bien les manches qui sont un tout petit peu évasées, mais pas trop, pour essayer de cacher, voilà, un peu dans ce style là cacher un peu mes... J'ai pas honte, mais c'est pas ce que je préfère. Donc l'été, j'aime bien que ce soit pas trop voyant. Honnêtement, je pense qu'elle sera plutôt sympa pour l'été. Évidemment, j'essaierai de vous rajouter des petites photos ou des petites vidéos. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça? Je ne sais pas, mais... En tout cas, comme ça, je la valide, elle est plutôt sympa. Je me suis pris donc, comme je vous l'ai dit, une robe pour un mariage qui est prévu au mois de juin. Et j'avais envie d'une robe rose. J'ai d'ailleurs aussi commandé pour ma fille une robe rose, aussi dans la même tonalité. C'est pas... alors, je voulais une robe
qui soit un peu classe, mais pas non plus trop classe, on va faire trop, et faire péter la robe quand même. Donc j'ai pris en 2XL aussi pour être bien. Une jolie robe, j'aime beaucoup la matière, pareil c'est une matière, alors l'autre elle faisait un peu moins sympa, là c'est vraiment une matière un peu plus douce, regardez cette couleur un peu vieux rose que j'aime beaucoup, c'est une robe un peu plissée, un peu cache-cœur plissée, elle vaut rien du tout d'ailleurs hein, sur le site Shein, elle est à 16€, la voici, hein. Elle se présente comme ça, donc cache-cœur au niveau de la poitrine, et elle s'attache sur le côté, donc ça j'ai hâte de la tester pour voir ce que ça donne. Elle a l'air quand même longue, mais pas trop longue. Elle va pas jusqu'aux chevilles. Donc on verra, je pense, mes mollets. Ouais, écoutez, j'espère que ça ira parce que c'est ma seule option. Bon, après j'ai d'autres robes, hein, mais c'est ce style-là que je voulais. J'avais choisi plusieurs robes qui me plaisaient, mais voilà, j'ai reçu celle-ci et je suis assez contente. J'espère qu'elle m'ira. Toujours. Alors là, j'ai pris un 3XL. Je pense que c'est un ensemble ou un pantalon, je ne sais plus. Ah non, c'est... Ah oui, si, c'est un ensemble, c'est ça. Ouh, j'ai pris large, long 3XL. Un ensemble avec le short. Le short comme ça et le petit débardeur. Ça m'a l'air extrêmement, extrêmement large. Mais après à tester, donc c'est un débardeur, vous savez, un peu croc top. Je me suis dit que ça, pour traîner à la maison quand il fera beau, ou même pour les vacances, à la plage et tout, ça ira peut-être. Honnêtement, je suis pas, c'est pas le style de vêtements que j'aime porter. Mais j'ai envie de m'y mettre un peu plus. J'ai rien, j'assume complètement mon corps et mes formes, mais c'est parce que j'ai peur de pas être hyper à l'aise non plus. Donc ça ressemble à ça, et ça me donnait bien envie. Il était à 9€, hein, ce petit ensemble, donc vraiment pas très cher. C'est une matière, encore une fois, synthétique, mais qui a l'air vraiment confort, en mode si vous voulez faire du sport aussi pendant l'été et avoir moins chaud. Juste, j'espère que ça ira. Alors j'ai pris large, parce que je voulais être à l'aise au niveau du bas, donc c'est pour ça que j'ai pris un 3XL, mais j'espère que ça sera trop large du coup. En tout cas, on va tester. J'ai repris une autre paire de chaussures comme ça d'été dans les tons camel. Et celles-ci, elles sont trop, trop, trop belles. Je vous montre ça. Elles sont canon. Donc, elles sont arrivées dans une petite boîte, celles-ci. Regardez ça. Elles sont vraiment magnifiques, non? Qu'est-ce que vous en pensez là pour les beaux jours? Ça va être trop beau! Donc, j'ai pris encore une fois en 41. Je préfère prendre un peu plus large. Et elles valent sur le site Shein 14,25€. Donc pareil, là je vous donne les prix pleins sans la réduction avec mon code promo, hein. Mais je les trouve vraiment très très belles, je pense que j'aurai du choix. Et pour partir au Canada, parce que oui cet été on part au Canada, et sachez qu'au Canada l'été il fait quand même super chaud, j'avais envie de prendre quelques petites tenues et quelques petites chaussures que je vais pouvoir utiliser là-bas pendant 3 semaines, et si besoin, malheureusement je les ramènerai pas parce que je pense que on verra au niveau de la valise, mais parfois il y a des choses qu'on doit donner ou jeter. Puisque j'aurai peut-être plus de place, on verra. Mais peut-être que j'arriverai à tout ramener. Hein. Toujours dans une grosse boîte, j'ai pris une paire de baskets pour faire un peu de sport. Ou en tout cas être en mode à l'aise. Donc c'est celle-ci. Honnêtement, je l'ai trouvée canon sur le site. En vrai, elles sont belles, mais elles sont très fausses. Vous savez, très légères. Vraiment, je me demande ce que ça va donner. Donc je vais les tester, je verrai ce que ça donne. Très salissante aussi, puisque c'est du blanc et du rose. Rose un peu pêche comme ça, en tout cas la couleur est canon. C'est juste que c'est vraiment pas une paire de baskets traditionnelles, vous savez, avec ce poids de la basket. Là elles sont vraiment, vraiment très légères. Vous avez au dos de la basket comme ça, ces petits motifs là. Honnêtement elles sont plutôt jolies hein, comme ça. Donc voilà, j'étais en mode un peu plus sport. Et ces petites baskets sont à 21,25€. Donc à voir si elles sont confort, encore une fois, si elles sont agréables à porter ou si elles font mal aux pieds. Mais vu l'aspect, je pense qu'elles vont être très très légères sur les pieds. Et après à voir aussi au niveau de la semelle si ça vaut le coup. Mais j'avais envie de tester. Une autre paire de baskets, oui, Folie Basket, bonjour, toujours en taille 41, j'ai pris des petites baskets blanches, alors maintenant j'ai des paires de baskets blanches à gogo, je crois que j'en ai jamais eu autant chez moi, ce qui est très rare, d'habitude j'ai une paire comme ça qui se bat en duel, mais là j'en ai plein plein plein, donc je vous les montre, c'est un peu, je crois que c'est Bon Baiser de Paris, un peu le style, je crois, hein. Donc basket blanche un peu basique comme ça, vous savez, avec derrière le petit effet comme ça, alors il y a écrit fashion dessus, ça je trouve ça un peu laid, ce petit fashion, en plus c'est un jaune doré moche, mais ce qui m'avait plu c'était la petite touche ici, sur le côté je trouvais ça plutôt sympa, je la trouvais très, très belle, elles sont un peu plus quali au niveau du poids et tout ça, elles ont l'air pas mal au niveau de la semelle, après à voir si elles font pas mal au pied, parce que j'avais une paire comme ça que j'avais eu mal au pied quand même dedans, donc à voir, mais elles sont très jolies, il n'y a pas de défaut comme ça de fabrication, quand on regarde comme ça il n'y a pas de défaut, vous avez en revanche
une petite phrase écrite là sur le côté qui est pas terrible terrible. Et ces baskets étaient au prix de 25€. On finit encore par une paire de chaussures, mais cette fois-ci pour l'été, toujours pour moi. Ouais, j'ai craqué pour moi et ma fille d'ailleurs. Et j'ai pris une paire de petites spartiates comme ça, vous savez, un peu ce style-là. J'ai pas pris avec le truc entre les pieds parce que c'est pas ce que je préfère. Et elles sont réglables à ce niveau-là. Donc si vous avez des grosses chevilles ou quoi, vous pouvez régler. C'est aussi un petit peu élastique si vous voulez glisser directement le pied. Vous avez quand même une fermeture derrière. Donc ça, c'est quand même pratique. Ça reste un jaune doré plutôt joli. Je pense que sur une peau bronzée, ça va le faire. Elles vont être très très sympas. Cette petite paire de spartiates comme ça doré est à 16,49€ si je ne me trompe pas. Ouais, ça a l'air d'être un... Ouais, 16,49€, elles sont en promotion au lieu de 20€. Donc écoutez, ça reste des prix tout à fait raisonnables pour les magasins un peu pas chers. Après, je trouve que la semelle est pas mal. Ça reste une semelle en faux cuir et je pense que ça peut donner quelques irritations l'été s'il fait très chaud. Donc à voir ce que ça donne. Mais comme ça, elles sont très jolies. Donc je pense que sur une peau bronzée, elles vont être très très belles. Honnêtement, je suis refaite en chaussures d'été. Enfin, vous l'avez vu, j'ai tout ce qu'il faut. Pour mes enfants, là on va pouvoir passer aux enfants. J'ai craqué pour quelques petites choses qui leur faisaient envie, que j'avais envie de leur prendre. Honnêtement, les vêtements sur Shein pour les enfants sont pas trop mal, mais c'est pas une qualité extrême. Je vous le dis, c'est... Faut pas se dire que ça va durer dans le temps, mais ça reste le même style de qualité que chez Kiabi, parce que j'ai comparé des vêtements de chez Kiabi et des vêtements de chez Shein, et honnêtement même ceux de Shein sont parfois meilleure qualité que Kiabi, qui a des prix abordables. Chez Kiabi vous pouvez trouver des trucs vraiment abordables, mais malheureusement qui ne tiennent pas des fois après deux lavages. Donc pour mes garçons, j'ai pris des tenues d'été, un peu voilà, estivales, pour encore une fois préparer notre voyage au Canada. Et je leur ai pris des tenues aussi de basket parce qu'ils adorent, c'est des grands fans de basket. Du coup pour mon petit Kezia, j'ai pris cette petite tenue de basket avec le petit shirt rouge comme ça et blanc, et le petit t-shirt qui va avec, donc en taille 120, et ça va tout à fait, c'est à peu près de la taille 4 ans. 4-5 ans, voilà, ça va lui aller pour quelques temps. Ça en plus c'est vraiment la même matière que les petits hauts de basket et tout ça que vous trouvez chez Decathlon, c'est la même matière. Donc ça, ils vont être ravis que je les lave et que je leur donne, parce qu'ils ont hâte de les mettre si un jour les beaux jours arrivent, vraiment, parce que c'est pas encore gagné ça. Cette petite tenue coûtait 5,99€, donc imbattable, sérieusement. Dans le même style, j'ai pris pour mon grand, donc mon garçon encore une fois, le même genre de tenue mais en version vert, parce qu'il n'a pas ce style là. Donc après je vais pouvoir les personnaliser au niveau du dos et mettre leur prénom, moi j'aime bien faire ça sur leur t-shirt, surtout quand ils vont jouer au basket le mercredi. Et il y a évidemment le short aussi, hein, le même style. Voilà, c'est quasi la même chose, la même matière. Cet ensemble est à 9,99€, donc 10€, pareil, je trouve que c'est pas cher du tout. On est toujours dans un ensemble un peu vert, et là c'est pour ma fille, je lui ai pris une sorte de petit croc top avec un petit shirt. Honnêtement sur le site ça me donnait trop envie, mais quand je le vois comme ça je me dis c'est peut-être un peu léger, non? Mais bon pareil, ça va être pour le Canada, donc le petit croc top se présente comme ça. Donc hop, des petites manches avec épaules dénudées, un petit peu court hein, au niveau, évidemment c'est un croc top. Et avec ceci, elle a le petit short. Comme ça, avec la petite ceinture. Donc ça, c'est important la ceinture parce qu'elle, elle est quand même fine de la taille et j'ai peur que ce soit pas très très serré. Mais je pense qu'elle va être canon dedans avec sa couleur de peau métissée. Ça va être très 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 beau. Et je vous montre un peu le rendu sur le site, ça rendait ça. Hein, donc c'est très sympa et c'est à 9,99€. Donc pareil, un petit ensemble pour 10€, moi ça me va. La matière est très sympa. D'ailleurs, sachez que pour ma fille, toutes les tenues que je vais acheter en ensemble comme ça chez Shein, elle les a encore, elle les adore. Ils ont été lavés, rien à dire, ça fonctionne très très bien. On va rester sur ma fille, je lui ai pris aussi une petite robe, voilà, pour les beaux jours. Il y a une ceinture avec, j'aime un peu moins la matière de la robe qui fait un peu fausse, mais elle est très jolie. Un petit t-shirt, on va dire, basique noir qui se transforme en robe fleurie, donc c'est en une seule pièce. Hein. Et vous avez la ceinture qui est avec. Donc ça va être très très sympa. Elle est trop contente, elle aime beaucoup ce style de robe. En plus c'est assez long, donc elle pourra mettre quand même avec des petites chaussures que j'ai achetées. D'ailleurs vous allez voir, on va pouvoir faire des petites tenues sympas. Je lui ai pris en taille 140 parce qu'elle est très grande et sinon ça fait très vite court sur ses longues jambes. Donc je pense que ça va être canon sur elle. On va lui essayer. Et cette robe va aller 11,99€, donc prix tout à fait raisonnable je trouve pour la qualité que c'est très très bien. Pour mon fils, je lui ai pris un ensemble, donc ça je ne sais plus pour quel fils. Alors attendez, 130 c'est pour Kezia je crois, oui, je lui ai pris un petit ensemble
Même pour Oran, hein, parce que les tailles, c'est vrai que même pour Oran, tu sens ensemble comme ça, marron, avec le petit shirt et le petit t-shirt marron. Je le trouvais trop classe au niveau des couleurs comme ça. J'aime beaucoup ce style-là sur mon fils. Donc ça peut-être pour Oran. Et voilà, avec la petite écriture. Honnêtement, la qualité du tissu est très bien. Pour l'été, ça va le faire très très bien. Ici, on n'a pas un été de 5 mois, donc ça va être très très bien. Et ce petit ensemble, encore une fois, à moins de 10€, 9,49€ l'ensemble, donc rien à dire, mais canon, canon. Hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous achetez quelques vêtements sur Shein pour vos enfants ou pas du tout, si vous êtes pas du tout, vous pensez plutôt pour vous, pour des petites vestes, etc. Dites-moi ça. On passe à un autre ensemble, ce qui est un ensemble un peu plus, vous savez, pour la plage, un peu matière, vraiment au style de maillot de bain, donc pareil, un short, donc ça c'est pour mon grand, hein. C'est de la taille 8 ans. Avec un t-shirt, mais vraiment le t-shirt c'est pareil, c'est matière un peu maillot de bain. Vous savez, cette matière qu'on pourrait presque mouiller et se laver avec. Honnêtement, je pense pas que ce soit le cas, mais c'est vraiment particulier. Et j'aime trop l'ensemble. Oui, j'étais dans le vert et le marron, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Et cet ensemble valait 12,99€, donc il se présentait un peu comme ça, vous voyez, sur le site. Donc ça donnait aussi envie. Et c'est vraiment... alors ils disent pas hein, si c'est pour la plage, mais c'est vraiment... cette matière un peu plage. Et donc toujours pour, alors là c'était pour mon grand, pour le plus petit j'ai essayé de faire équitable, hein, vous avez vu, j'ai à peu près deux tenues chacun. Pour le petit j'ai pris le même style de tenue mais en version verte. Donc un short un peu style voilà plage, vraiment, alors c'est vraiment pas pour la plage hein, je pense, mais c'est vraiment cette matière un peu plage, donc si vous voulez mouiller et tout je pense que ça va. Et le haut, j'aime trop le haut, il est trop beau. Alors, est-ce qu'il va durer longtemps parce que c'est du blanc. Et on sait très bien qu'avec les enfants, le blanc, voilà. C'est du 5 ans. J'aime trop les motifs sur le haut. Ils sont trop canons. J'aime beaucoup le rendu. La matière est encore une fois très agréable. Je suis assez épatée d'ailleurs par la qualité parfois de certains vêtements Shein. Et ce petit ensemble, encore une fois, il est à 11,99€. On va finir cette sélection pour moi et mes enfants sur Shein par des chaussures. Alors ma fille, elle était trop contente de voir qu'il y avait des chaussures pour elle. Elle, vous savez, c'est vraiment... Elle est vraiment comme sa mère. Vraiment, il n'y a pas à dire. Je lui ai pris cette petite paire de chaussures. Je me suis dit justement pour le fameux mariage, ça irait très bien. J'espère juste qu'elles ne sont pas un peu trop grandes parce qu'elles varient entre le 34 et le 35. Ça dépend comment c'est taillé. Donc je l'ai trouvé trop jolie, ces petites paires de... Vraiment, en plus, elles sont très quali d'ailleurs. Je suis assez étonnée. Je vous les montre de plus près. Donc il y a ces petites paillettes ici. Ça se présente comme ça. On a, oula, parce que je vais y arriver, sur le côté des petits nœuds là. Et c'est une ouverture à scratch. Et ça, ma foi, on va pas se nier, c'est trop pratique pour les enfants. Ils mettent ça en 2 secondes, bim bam. Et la semelle est plutôt sympa. Et ces chaussures valaient 16€. Et honnêtement, la qualité vaut 16€, je trouve. Et je pense que la semelle, elle est juste canon. Alors écoutez, ma fille, elle prend pas beaucoup soin de ses chaussures. J'espère juste qu'elle va en prendre un peu plus soin que d'habitude. Mais en tout cas, pour une tenue rose de mariage, je pense que... Alors, est-ce que ça ira avec sa tenue? J'espère, on verra. Mais je trouve qu'elles sont très jolies pour les beaux jours, là. Et je lui ai pris une deuxième paire, un peu plus spartiate. Je me suis dit que sur ses, avec sa couleur de peau bronzée, ça lui irait très bien. D'ailleurs, elle les a essayées, elles sont un tout petit peu grandes. Donc celles-ci, sur Shein, elles valent 18€, donc elles sont un peu plus chères. Pareil, je trouve que la qualité est au rendez-vous au niveau de la semelle, l'épaisseur de la semelle, de la qualité de la matière, là, l'espèce de... C'est pas du cuir, mais vous voyez ce que je veux dire, cette matière très quali. Et vous avez des fermetures, donc très pratiques derrière au niveau... de la fermeture éclair, ça c'est très pratique pour le quotidien. Juste, elles sont un tout petit peu petites. Alors pourtant c'est du 35, mais vous voyez, elles varient entre le 34 et 35. Elles sont un tout petit peu petites, donc son pied il sera un tout petit peu, mais vraiment un 2 mm quoi. Et elles sont un peu grandes au niveau de la cheville, donc c'est vraiment le hic, c'est juste ça. Alors je pense qu'elle, elle va peut-être quand même les mettre et tout ça, on va voir comment ça, si vraiment ça lui va ou pas. Mais elle les aimait trop, donc déjà elle était prête à les mettre. Donc à voir, après c'est que pour l'été, c'est que pour là, les beaux jours et tout ça, mais je la trouve très belle. En tout cas c'est une très belle paire de chaussures. Pour ma fille, je vais vous montrer un petit peu la sélection que j'ai fait pour le mariage. J'ai pris une petite couronne de fleurs comme ça pour peut-être agrémenter sa tenue, mais peut-être pas du tout, on verra ce que ça donne. À 3,50€, je lui ai pris aussi une petite robe. J'ai pris deux robes même parce que je ne savais pas quoi choisir entre les deux. Donc celle-ci qui est rose et blanche au niveau du haut, un peu dentelle, à 11,49€. Et j'en ai pris une autre. Mais là voici cette deuxième robe que j'ai pris aussi, qui est dans le même style, sauf qu'elle a un côté fleuri au niveau du haut. Je trouvais très beau à 11,99€ aussi.
pour mon fils, puisque les chéris, mon mari et mon fils seront en tenue un peu bleue, donc je lui ai pris ce petit ensemble. Pareil, je crois que c'est voilà, 12,49, hein, donc ça c'est ce que je lui ai pris. Après j'ai pris des accessoires pour mes sacs à main, donc des petites sangles, sachez que vous en trouvez à 3,50€ sur le site Shein. Donc j'en ai pris deux styles différents, sangles aussi dans ce style là, donc j'ai trop hâte de les recevoir. Celui-ci 3,75€, et j'ai pris des rangements à chaussures justement pour emmener dans nos valises pour le Canada à 1,25€, j'en ai pris 3 du même style, hein. Donc c'est des tailles uniques, j'espère que ça ira. Et j'ai repris, parce que ça j'en ai déjà un dans ma pièce juste là, un rangement à sac à main comme ça. Alors j'ai pas beaucoup de sacs à main, mais j'aime bien les ranger proprement, qui valait 3€. Voilà pour mes derniers achats et mes dernières trouvailles sur le site Shein. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous chinez sur Shein. Oui, ça fait très chi tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt là-bas pour tout ce qui est déco, pour accessoires, parce qu'il y a pas mal d'accessoires aussi, que ce soit aussi pour la beauté, pour les enfants. Dites-moi tout dans les commentaires, hein, pourquoi vous craquez sur Shein. N'oubliez pas que si vous avez envie de craquer, vous avez mon code promo qui est toujours disponible et qui vous apporte moins 15% sur toute votre commande. Donc c'est toujours ça de gagner, hein. Il n'y a pas de petites économies. Et honnêtement, c'est assez rare que je commande aussi par moi-même sur Shein, parce que j'ai une collaboration avec eux, mais parfois je commande aussi. Et là, je suis assez contente de tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. J'aime beaucoup, de plus en plus. Alors, est-ce que j'achèterai encore? Non, j'achète pas tout le temps, c'est que par moment. J'essaie de me raisonner, mais là, en tout cas, je suis assez contente d'avoir refait un peu le plein au niveau des vêtements d'été pour les beaux jours, qui, je l'espère, arrivons. Sur ce, je vous retrouve dans les commentaires pour papoter un petit peu ensemble. Et puis, je vous invite encore une fois à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut !